Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission sur les questions de l'ésotérisme. Nous continuons sur le sujet du pendule. La dernière fois, je vous ai raconté quelles étaient les différentes matières de pendule. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes formes de pendule. Mais attention, comme il y en a énormément, je ne pourrai pas les faire en une seule vidéo. Il y en aura donc plusieurs. Commençons par le pendule de Luzi. C'est un pendule qui est en forme de goutte d'eau. Il est très précis. Il existe en différentes couleurs et chaque couleur correspond à une spécificité. Le rouge, par exemple, répond à vos questions sentimentales. Le vert est parfait pour les questions financières. Le bleu répondra à toutes vos questions sur votre spiritualité. Et enfin, le cuivré correspondra à toutes les questions qui correspondent sur un lieu. Il est parfait d'ailleurs pour les géobiologues. Enfin, il existe aussi en plaqué or et en bois. Nous continuons avec le pendule dit triangle. Ce pendule est très pratique car il est très léger. Il existe dans différents modèles. Il y a le pendule en triangle doré qui sera parfait pour les joueurs de loto ou autres jeux de hasard. Et enfin, il y a le pendule noir métallisé qui correspondra à toutes vos questions sur votre vie privée. On termine avec le véritable pendule des bâtisseurs. Il porte ce nom car il a été conçu sur des principes antiques qui furent découverts dans la Bible par son inventeur. Il est parfait pour les géobiologues. Il permet de faire des recherches de sources, de galeries ou de voir les zones de perturbation dans les habitations. Et enfin, il est parfait pour charger l'eau et les aliments. Si vous avez des questions sur le sujet du pendule, n'hésitez pas à me les poser sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao !